Farine de maïs na katanga, c'est égal à Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi qui est à la base. Il y a crise voilà. On a reçu la révélation. Ce sont des impérialistes, ce sont des occidentaux. Nous basons la base à Bioko voilà. Et comme élément maîtresse na bango awa. Oyo, avant qu'on questionne ma famille, il s'appelle Joseph Kabila. Nani? Élément maîtresse. Moutou ou à la base il y a insécurité. Ou Azali a une mission pour déstabiliser RDC. C'est Joseph Kabila. Donc, ce qui se passe dans Kouamoutou, Joseph, c'est Joseph Kabila. Ce qui se passe à Onamalukou, c'est Joseph Kabila. Nayebi Siyondeko, Joseph Kabila n'est pas à la base. Parce que Joseph Kabila a une missionnaire rwandais en République démocratique du Congo. Pour ne pas déstabiliser RDC. Garde républicaine. Ben, c'est qui est et c'est qui est contrôlé si tu en as à Kingakati. Parce que si tu en as non contrôlé. Et si tu en as, selon mes informations, tous les enseignants en as, tu en as. Bonjour, président Marcel Mouema. Oui, bonjour, Ndeko, journaliste. Hein? Président Marcel Mouema, il y a la télévision, je suis sur Internet, je suis sur Internet, je suis sur la politique de la République démocratique du Congo, je suis Marseille, je suis sur Internet. Oui, nous sommes sur Malamu. Nous sommes sur grâce à la Messana Koloba. On est toujours au service de la nation. On a un peu de temps à tout moment. Ma politique est en train de on a un peu de informer à Yimboka, à Yimboka. Merci beaucoup, mon amour à Marseille. Tu es à Marseille. Tu es à mon amour à Marseille. Tu es à la politique. Tu es directement à la briefing. Est-ce que tu es à la ministre de l'économie? Mon amour à la caméra. Ou est-ce que le Bayimboka se concentre dans la crise des maïs? Ou écoute, tu es à Ngumba, la République démocratique du Congo, précisément à la Grand Katanga, mon amour à Mboka. Mais tu es à mon amour à comment la République du Congo peut commettre cette crise? Qu'est-ce qui ne va pas sur la palier des ménagères et la République démocratique du Congo à Marseille? Merci pour la question. Très capital. Parce que c'est un éclaircir. Pourquoi le lot de cannabis est passé un moment très difficile, presque à tous les niveaux. Les alliés à cause de la mauvaise gestion. Il y a un gestionnaire passé. C'est-à-dire que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont une vision d'un grand Congo. Le long de la vie, ils ont subi une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation que le Congo a été en train de se faire. Même les gens sont contents de se faire. Ils ont été en paradis. Congo est un paradis dans ces amoureux. Exactement, où la caméra est un paradis. C'est un paradis, mais tu comme un niveau où le loyo, tu as que zanga biloka kolia. Et biloka ngo, ezali biloka ba lonaka. OK. À cause de ba mauvais gestionnaire. Les gens qui ont géré ce pays sans vision. Le loyo Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo, chef de l'État avec gouvernement Sama Lukonde, ba yeko hérité Congo moko oyo et koufa kito et koya sur tout le plan. Pour cela, je rappelle que nous avons dit que nous avons l'année passée, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons compris que nous avons dit na ma vie ba makambo to ko mona na katanga na kasai ba ki nous avons dit farine de maïs. Donc ça montre que nous avons dit parce que c'est imaginable que nous avons dit Congo. Tokoma na carence ya biloko ya kolia. Ma félicitations au gouvernement responsable, gouvernement où son excellence premier ministre Jean-Somba Lukonde et le VPM en charge de l'économie son excellence Vital Kamerhe na nenge ba zui vraiment makambo yango en charge pour na koluka solution moko momentalement et solution définitive
pour que crise to connaître sous crise dans Makambo Italie maïs de farine té mais mon amboka mosika tombi au pays congolais et pourquoi ça na ba lobbying ebele pourquoi pas aller courir chez mosika tombi peut-être donner la solution pour na affaire avec crise de maïs mon amboka mais je vous dis que crise oza ya farine de maïs na katanga c'est égal à Moïse Katumbi c'est Moïse Katumbi qui est à la base il y a crise voilà oh mais na ça bi ça on a reçu la révélation oyo délégation gouvernementale conduite par VPM Vitel Kamene et tout ça noir ba banegna fruidicide pour nous reconnaître que là le lengue nini toi qui coopérer avec état sud-africain pour un ravitaillement ya farine de maïs vous savez que nous à fruidicide ali mboka ya munene oyo et importateur ya farine de maïs mboka ya munene vraiment na carte d'Afrique à ce concerne importation de farine de maïs. Tant que gouvernement qui est négatif, la délégation qui a 4 ministres. Mais Bolandi, Dongolomiso, opposant à l'Okuta, soi-disant, Matata Mponyo. Matata Mponyo, le loi est copé ça, avec le parvenu copé ça, leçon. Il y a gestion en Boka. Mais si aujourd'hui, tu as le loi la condition tout ça dans tout ça la situation tout ça mais c'est ma tête à pogno il avait détourné plus de 200 millions de dollars il y a parc agro-industriel Bukangalonzo parc wana mbonga bimi le gouvernement et parc wana qui robote université boye biango c'est na senga chaque fois na gouvernement. Comment que dossier à Bukangalonzo libre? Banda que ma preuve tangible y a détournement y a Bukangalonzo ezali. Justice congolaise, tisikoyo justice congolaise. Tisikoyo justice congolaise, baza cause la nini. Et comme j'ai pile pong, bakeni na cour de cassation ma bé, bakeni na cour constitutionnel ma bé. J'interpelle la toile posée à la Cour constitutionnelle. Azo ba responsabilité ni na me. Mboka oyo peuple congolais a besoin de komona vérité sur le dossier Bukangalonzo. Aujourd'hui, mboka na tozo comme na carence à farine de maïs. Peuple congolais comme ko zanga masango ya kolia. Banda que gouvernement congolais a débloqué comme bongo sous ma tête en pogno. Mais ma tête en pogno, il s'est parvenu ya ko il s'est parvenu de luxe pour parler contre le gouvernement congolais. Parce qu'on peut faire fausse information que tout un gouvernement, 11 ministres, ont fait des déplacements pour ne reconnaître aucune solution. Quand on a dit Massangou, c'est faux. Ce n'était pas 11 ministres, c'était 4 ministres. VP Mille Mourazaki, chef de délégation, VP Vidal Kamere, c'est ministre de l'industrie. Moi, je suis Julien Paluku. Ministre, il y a le commerce extérieur. Moi, je suis allé ici, Mboussia, le ministre, il y a petites et moyennes entreprises, où ils allaient, ils ont Birianzi. Il y a une mission encore précise parce que les allaient, responsable, il y a un domaine où ils ont été en train. Parce que ils allaient, il y a une coopération, il y a un échange commercial, il faut ministre commercial à ça. Ministre Ndissi, à qui n'a pas encore tout à l'année, bah Ndissi sud-africain et fonctionne encore pour Bissopé, tout partager l'expérience voilà pour que Bissopé tout un peu co-installer bah Ndissi voilà dans le cadre de mon cas ministre à coopérer, il y a petites et moyennes entreprises à qui n'a parce que dans fruit d'ici, ce sont des individus, ce sont des particuliers, des basalines, certains Rwanda y a production y a farine de maïs, donc bah voyager avec leurs missions respectives. Ils attendent même à tout en pognon avec ça la diffamation, qu'on peut sa information au couta. Donc, ma tête en pognon a sa série à ta moukete. Na yena, question posée que Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, vous savez que Moïse Katumbi a un problème dans l'État congolais, dans le peuple congolais. Parce que le peuple congolais a décidé que tient Moïse Katumbi hors état de nuire dans l'élection 2023. Moïse Katumbi
Aza candidat. Ah, le candidat potentiel, mon ambouka. Mais je vous dis à cause de la terre, parce que le peuple congolais a décidé à travers la loi Noël Tchani, où on a interpellé le président de l'Assemblée nationale, dans l'Ombang, on a surtout interpellé mon honorable député. C'est une loi salvatrice. Loi Oyo, le Congolais, c'est la loi. Loi Oyo, c'est le Congo, deuxième souveraineté. Et la loi Oyo, c'est une souveraineté institutionnelle. Ben, institution, c'est une chose qui est infiltrée. Ben, c'est une chose qui est envahie par les étrangers. Ben, Oyo, ils ont un plan, il y a une balkanisation en Bukanabiso. Ben, ils ont une information à la loupe, à la lettre. Pour nous déstabiliser la République du Congo. Avec chef de l'État, dans la loi Noël Tchani, va mettre fin à l'infiltration institutionnelle. Loi Noël Tchani, ils ont une loi pour mettre fin à l'infiltration institutionnelle. Et Moïse Katumbi, a quand même été filé à l'infiltration institutionnelle. Parce que c'est un étranger, c'est un collabo, il y a un occidentaux, c'est un collabo, il y a un impérialiste, il y a une mission, il y a détruire la République du Congo. Parmi les manœuvres dilatoires, il y a qui ont influencé les Zambiens. Que bah que la lutte sur République démocratique du Congo était farine de maïs. À notre grande surprise, gouvernement congolais après avoir couru dans la mission. Attends, c'est là. Je vous dis, Nazaré Bissayo, Nazaré Sala, Nazaré Sobaï, Congomani, Nazaré Soba peuple katangais, ma révélation aux Ezali vrai, ma source sûre et fiable. C'est Moïse Katumbi à la base, il y a carence, il y a farine de maïs, on a katanga to benga bunga. C'est lui qui est à la base, il y a ma manœuvre. Il y a un accueilli pour intoxiquer les négociations zambiens, parce qu'il a mis celui-ci sur ma sangouté. Pour une simple raison, et c'est que tu as genoué le gouvernement congolais, tout le gouvernement congolais a conflit avec le peuple congolais. En particulier le peuple katangais, parce que le peuple katangais, tu as vu que l'important c'est que nous avons fait farine de maïs. Parce que c'est l'aliment de base, au niveau de Katanga, Katanga qui manquait en côté. Katanga qui manquait Makemba, qui manquait l'osso, mais Bunganaye qui manquait en côté. Et c'est tout à fait normal, chaque peuple, chaque population, il y a différents coups en bon abisso, basana. Merci. Parlant d'un coup, Sabino, que le gouvernement congolais, tant que l'outil Afrique du Sud, qui aussi descend au niveau de Zambi, pour palper du doigt, quelles sont les réalités, celles que Zambi a kata, pour livrer les bisous, Massangou. VEPEM, en charge d'économie, a coûté des décisions que nous avons dans le gouvernement zambien. Il y a Liboso, le gouvernement de la Zambie a eu une décision. Ma coquille du côté que la biso farine de maïs, ma sangouté. Réseau Zalinini, ma sangouignon surtout au Yozalaki à destination à République démocratique du Congo. Ma somme yango dans le pays Moussoussou. Tanzania somme yango, Rwanda somme yango, Ouganda somme yango. La raison au gouvernement Zambie a pessi. Mais je vous dis, ils ont une manœuvre dilatoire, Oyo. Occident, Bazakosa, la pône a genoué toujours le régime à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azako Bunda Bitumba Oya pour libérer Congo. Bitumba Oya Zali a chef, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais Zali Bitumba, il y a Congo, il y a peuple congolais. Pour libérer Congo définitivement. Ça, c'est deux décisions. Deuxième décision, Zali Nini. Même RDC, et Somi Massangou ailleurs. Parce que même dans la carte d'Afrique, ceux qui sont partis à Katanga, donc, ils sont tous dans Zéla et Rolégisabiloko, tous dans Zéla et Rolégisabiloko, à part en Angola et en Zambie. Surtout que dans les derniers temps, Zéla et Zambie, ils allaient Zéla Moko. Fréquentable. Fréquentable parce qu'ils allaient à bon état. Les locaux, ils ont été en République du Congo et ils ont été en République du Congo. Dans le niveau de complicité contre notre pays, peuple congolais, peuple katangais, dans la deux décisions, le gouvernement zambien a joué. C'est Moïse qui a tout mis dans la manœuvre.
Je vous dis, c'est un Zambien. Zambien par sa mère. Histoire qu'on enseigne Bissot que l'époque où il y a le roi Désiré Kabila et Moïse Katumbi, à ça qui va même en œuvre à Sali, à Sala Kiango. Bandai que notre pays a été agressé par RCD Goma. Gouvernement congolais, il y a Laurent Désiré Kabila, il a eu une décision, il y a aussi un niveau Jekami, un niveau Miba, minéré, pour que les gens soient ailleurs, pour que le gouvernement soit moyen, pour qu'on soit face à la guerre, parce qu'il est rébellé comme il y a presque un peu partout. Il y a eu minéré, et bimi comme des petits dans la Zambie. Le gouvernement zambien a saisi ça. Il y a un citoyen zambien. Il y a un citoyen zambien en Kati à Zambie qui a réclamé que nous avons un gouvernement qui a besoin de nous. Citoyen zambien, on a ni. En l'occurrence, c'est Moïse Katumbi. Où elle s'est présenté, le corps des citoyens zambien a réclamé que au point du gouvernement congolais. Cheikh Kitundu, Azali, sénateur Cheikh Kitundu, à l'époque, il a été ministre des Affaires étrangères. Il peut témoigner. Aux autres, on a dit que moment où ils agressé, les rebelles sont partout. Mboka et Kabouani. Tout ça, c'est Moïse Katumbi. Le peuple congolais, le peuple katangais, le coquille, ça, la confiance en Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un collabo occidental, collabo impérialiste pour la balkanisation. Déstabilisation RDC. Merci beaucoup, Mme Mboka, président Marseille Mouema. Nous aussi au Libre Bayim Mboka concernant l'affaire crise de maïs, affaire de maïs et frappé Grand Katanga. Tout ce qui est dans le dossier sécuritaire, le dossier sécuritaire de la partie Est, Mme Mboka, avant d'avoir le dossier sécuritaire, le dossier à Bandundu Kinshasa, où l'insécurité est dérangée par Mme Mboka et Bélé. Tout ce qui est dans le dossier Est, Mme Mboka, tout ce qui est dans le dossier M23, ben quoi activer sous ma camo bien ma carte sous ba yesu en double vitesse mon amboka. Où est-ce que M23 a deux vitesse bélé na mon amboka et assez sur le terrain mais M23 a doit activer ma vitesse. Qu'est-ce que tu fais pas mon amboka ba territoire zala qui conquis et pas ba y faire des le faire des besoin sous ciment M23 a doit aller sous pour la pb de voilà. Qu'est-ce que tu fais pas mon amboka Marcel Mouema? Merci Ndekogi pour la question. En tout cas, à ce qui concerne l'insécurité à l'est de notre République, où il s'agit plus de 4 décennies, la Koyebisayo, il s'agit de complot international. Nous sommes sous complot. M23 est allé soutenir par l'Occident. L'Occident va alimenter Rwanda pour que Rwanda alimente le groupe terroriste M23. Pour la déstabilisation à RDC. Parce que, bon, quand on a vu que tous les victimes, Bazali Koluka, ba balkanisé RDC, Bazali Koluka, ba infiltré RDC, pour que Mboka Oyo ait découlé. Parce que, crainte, il y a des impérialistes, il y a des occidentaux, et Zalaka, RDC, ceux qui ont tué RDC en paix, RDC, et qu'on s'est développé. Ok, selon prophétie, il y a notre prophète Simon Kimbangu, RDC, Ezali, Lobby, Otokobenga, grande puissance d'Afrique ou grande puissance, il y a monde, Namiko Ezali, Koya. Et tous ces gens-là, toutes ces grandes puissances, c'est le RDC qui faisait la première puissance économique et militaire. C'est tout le plan. Il y a monde. C'est pour cela que tchèque a toujours un coq à jambes. C'est pour cela que la déstabilisation. Il y a un futur en mort en abysso. Il y a un sommet en mort en abysso. Il y a un servi en mort. Pour que Mboka soit en souffrance. Pour le peuple congolais qui est au Congo. Pour le peuple congolais a souffrance. C'est le cas. Si le peuple congolais a cédé, il y a un peu de Congo. Mais malheureusement, Dieu est à notre côté. Zambazan Abisso,
banda ba banda ko ko banda ba kension bango ti le simba kate ba force ya EAC chef de l'état lobaki yango na niveau windoka to bengi seki ba force EAC awa to banda ko espérer que ba ko ya ko sunga notre armée far DC on a ko bouter dehors ba groupe terroriste M23 malheureusement au to kanisa ki et ça mi bongo te ba force EAC ba yé po na ko comploter contre mboka na biso nandé ni mona mboka Marseille mais je vous dis parce que mission na bango na feuille de route au cinéma ki na niveau ya Nairobi pe na niveau ya Luanda c'était clair ba ko ya ko se connait faire DC pona ko ça la face na ba rebelle ko bunda te ko se connait faire DC de ko bunda pe men ya faire DC oh. À notre grande surprise, bah, il a changé de mission. Il a dit le général Chico, le chef d'état-major en charge d'opération, a eu parole pour nous avoir force à l'IAC, à l'OBI, pour nous force à l'IAC, pour nous avoir force à l'IAC, rebelles. Mais tant que général, gérer la force, le général Kenyela, on a rejeté la force EAC à ce parole, a contredit qui général Chico. Ma belle bande qui déjà wana. Donc, mission, qui nango, bah on va détourner qui nango. Donc, bah mission cachée, bah on va aller qui, bah ok, bah zone tempo, nous bah ça qui na Soudan, on a balkanisation RDC. Na reçu leur révélation, mon collègue Lolo, na ce qui appelle mon route na est. Bah négocier sur est, bah on a informé. Il y a dénoncé la force EAC pour vivre dans le M23 ensemble. Il y a un copo, il y a lipa, il y a mela, il y a un seka, il y a un zoua, basi na biso ya ba congolais. Dans le dernier temps, il y a un ma prostituée, basse en Numba, ma commune qui est dans la zone Oyo, M23 Zali, na ma groupe, na ma force ONE, EAC. EAC a rien que soutenir sous M23. A rien que soutenir M23. Pourquoi basse en Numba, basse en Kenekuna, ma prostituée, ma femme ONE, basse en Kenekuna. Parce que Kuna Zali est comme une cop. EAC, ma bosse en émission, na bango. Il y a un monde de copé. Donc, si on a eu qui va bongo, il a pesangai sous énergie na soutenir loi Tchani. Parce que tous ces gens-là, bah, M23, ce sont des Rwandais. Bah, force ONA et ESC ONA, ce sont des étrangers. Pourquoi Bazako Yako Zoua? Bazako Yako Zoua, Basi Nabiso. Pourquoi? Parce que Babo Tisabango, lobby bana wana, va causer beaucoup de problèmes. C'est pour cela que loi Noël Tchani est qu'on mettre fin. L'ONU est tenu pour mettre fin pour que Ozala, chef d'institution de la République du Congo, aussi même ma fonction et la souveraineté, ma fonction de ma haute fonction, il faut Ozala loyal 100% de la République du Congo. Donc, Congo de père et de mère. Donc, nous devons soutenir cette loi. Donc, loi Ouana est encore sous ma force. Vive mon grand-mère, tout ça, mon nom. Loi Ouana est encore sous ma force et de connaissance à tous les niveaux. Ma camarade est en Est. En tout cas, loi Noé Tchani, raison d'être loi Wana, ils ont que mon analyse sur ma casse. Ils ont que mon analyse sur ma casse, ils ont que tenir loi. Donc, Naroyo Bisayo Ndeko, Naroyo Bisayo, Nazaro le Barona passe dans mon thème, situation est en abyssaux, nous sommes sous complot. Mais Nzamba Zako Sunga, l'actuel gouvernement, ministre de la Défense, VPM, j'appelle même à sa déplacement en Indonésie pour qu'on ait un échange militaire, coopération militaire entre les pays du Congo, dans l'Indonésie, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, militaire indonésien, dans le Congo, dans instructeur indonésien, pour former l'armée congolaise, de quelle mesure tu as ça là-bas. Industrie militaire, parce que l'Indonésie, dans les derniers temps, va monter en puissance
sur le plan militaire. Toto Kabouana a une expérience, pour que nous sommes un grand Congo, nous sommes un Mounene, et Sénégal tout se sécuriser, Félicitations au gouvernement congolais, félicitations à VPM Jean Pierre Bemba. Merci beaucoup mon Mboka Marseille Mouema, tout à l'heure sur côté de Kinshasa, sur Katia Maluku, Kwamutu, au Mbakana, au Lolo Insécurité et hier les sous Makasi mon Mboka a fait Mobondo. Qu'est-ce que tu vas faire mon Mboka était que un politicien aux investigations et le connu une ose les Katia Grabandundu. Au fait qu'il y a un Infiltration. Ce sont des impérialistes, ce sont des occidentaux, mais ils sont à la base de Bioko. Et ils sont comme l'élément maîtresse de Bango. Il s'appelle Joseph Kabila. Nani? Élément maîtresse. Moutou, ils sont à la base de insécurité. Oyazali a une mission pour déstabiliser RDC. C'est Joseph Kabila. Donc, ce qui se passe dans Kwamutu, c'est Joseph Kabila. Ce qui se passe à Onamaluku, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila est à la base. Parce que Joseph Kabila a été missionnaire rwandais en République du Congo pour déstabiliser RDC. Kabila vanda na yemo na mboka Marseille. Na yebi sio ndeko. Tokolala tokolam ka jour susu. Peuple congolais conscient tokosala mama na descento a sona kingaka si pona ko mettre ces messieurs, ces bonhommes noirs d'ailleurs en République de la du Congo. Na niveau ya Yamaluku, batwa kufi. Ce sont des congolais ne bakufi. Ce sont des congolais ne bakufi. Na niveau ya Maluku. Na niveau ya Kwamutu, ce sont des Congolais de Bakoufi. Ba Congolais ba Bakoufi na kati mboka na bango. À cause ya infiltré, à cause ya batu oya mabe, ba yana mboka na biso. Lokola ba Joseph Kabila. Na koyebi sa ondeko. Na minute na zo kutoto sa no émission wa kinga kati za lance clé. Oh. Ba garde républicaine. Ba sécurité kinga kati. Et Sengeli to contrôler Situana ya Kingakati. Parce que Situana est non contrôlé. Et Situana, selon mes informations, tous les enseignants ont été Situana. Oh, mais je vous dis, ce qu'on a dit à Maluku, moi, au niveau de Maluku, j'ai passé même la nuit là-bas, car après, vous avez vraies informations. Il y a un peu de Yimboka. Information, on a vu à ma procession les assaillants. Oh, il y a un kangami. Bahouti, na kati situation kingakati. Et puis, bango moko bazako témoigner. Bazaki recruté. Ba memi bango na Brazzaville. Na Brazzaville, ba memi bango wapi. Kuna na kati ya site au Rwanda Zoua. 12 000 hectares au Rwanda Zoua. Là, on peut se former sur le plan. Fétichisme. C'est le plan fétichiste. Oyo, bango, basali bango ba cérémonie. Kibonganga. Ya kibonganga, voilà. Basali bango ba cérémonie wana. Na Brazzaville. Mais en collaboration avec l'homme de Kingakati, tous ces gens-là, bazo ba mobondo. Les arabes apprennent à déstabiliser RDC. Bazo luka moyen. Il y a qu'à faire négocier Félix Tshisekedi avec le Rwandais M23. Parce que décision de Mokonzambo Kazoa, il y a qu'à négociation avec les terroristes rwandais M23. Pour négociation, il y a qu'à un brassage encore. Il y a infiltré l'armée d'Abisso. Il y a infiltré les services de renseignement. Quand il y a des choses à M23, il y a une fois passé à base ou à commandement militaire, il y a espace, il y a S-République à 64%. Alors, le col a atteint l'objectif, il faut faire ça de voies et moyens pour déstabiliser RDC. Maintenant, si quoi, stratégie, il faut que déstabiliser RDC commence par la capitale.
Et l'homme orchestre, c'est Joseph Kabila. C'est pour ça que nous avons même voyage au niveau de Brazzaville. Le président brazzavillais Denis Sassou Nguesso a fait sincérité vis-à-vis de la République du Congo. A fait sincérité. Je ne sais pas si je suis en train de faire de la complicité. Le complot au contre la République, c'est le complot occidental. Et il y a eu, puis il y a Mindele, m'a entraîné à se comploter contre RDC. Le peuple congolais, c'est un peu plus grand. Je ne sais pas si non. Logique, il y a Occident, logique, il y avait impérialiste à travers Rwanda, ils allaient une banque secrète RDC. Tout bête, parce que là, c'est Mou de Maïssa. Au moins, il y a une banque empêchée Bissot, tous là, en provisionnés dans Mou de Maïs, en provenance de Zambie. Au moins, il y a une banque empêchée Bissot. Il y a une banque à Brazzaville, il y a une banque à Rwanda. Bazala à 0 mètre de Bissot pour que je m'attaque à Bissot. On est à 12 000 hectares. Soit disant que ça a été fait pour que je militaire, pour que je sois RDC en collaboration avec Brazzaville. Actuellement, on a négocié en Angola. On a négocié en Angola. 40 000 hectares, 40 à 60 000 hectares, on a négocié en Angola, à côté de Kasongo-Lunda. Kasongo-Lunda est la frontière entre RDC avec notre province de Bandung. Donc, les alliés politiques, il y a un encerclement pour que bah, pousser le gouvernement congolais à négocier, sinon que non, bah, que c'est que c'est. Mais Dieu est grand, nous avons vu nos peuples congolais, le gouvernement congolais, gouvernement chef de l'État, fait ça, tout ce que tu le mot, et le gouvernement responsable, dans les prochains jours, beaucoup mona. Ma force indolésienne, pour moi, ma force est née dans et qu'il y a un amour en abisso. D'ailleurs, d'ici le 15 et le prochain mois de juin, pour moi, ma force est à Sadek. Parce que Sadek, dans l'histoire, il y a un amour en abisso, Sadek ici, et d'abisso, on a commettre fin à Bitumba Oya, RC de Goma, agression rwandaise toujours à travers RC de Goma. Merci beaucoup mon à Marseille Mouema, tout comme dans l'émission d'Abisso mon à Marseille. Le basouk a dit mais partout dans mon entier mon à Marseille. Le basouk a exalé peuple congolais et seigneur toute sa conscience vu y avoir enjeu au sein d'Abisso mon à Marseille est victime sous complot international et seigneur le peuple congolais Abisso monko tout simba mon à Abisso tout ça n'a mon à mi balété oh yo ceux qui le lobe mon à oh kabouani. To bala na biso na biso mukonga bali muluba muluba bali katangé soki le lomboka oyo se balkanisé na ba popo famille na biso ekokabona parce que to bala na ensemble notre défaut c'est là qui parce que to zali mboka moko hospitalier to zali mboka moko oyo to yambaka ba nyoso tout et banguna ba profiter na hospitalité na biso pona ko ya ko cha des autres to ko ko balkanisé. Il y a une insécurité dans le monde. Et c'est une conscience pour te défendre dans le monde. Mais tout le monde, au moins, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, Azako Bunda, et Zali Bitouma, il y a mon côté. Et Zali Bitouma, il y a la République du Congo. Et Zali Bitouma, il y a le peuple congolais. Parce que même ceux qui font Tshisekedi Azali, ceux qui, moi, dans le monde, je suis conscient, je suis en tête de mon monde, je suis toujours, je suis en agression. Parce que ma limite, un vrai Congolais dans la tête du Congo, pour un vrai Congolais, à Ko, Bundela, Moka, à Koko, pour bâtir la Bissot. Je ne sais pas si tu as un poste à cause de moi, à Moka, Marcel et moi. Je suis toujours dans la piste 243, 89, 88, 54, 533. Beauté et bon début de la semaine. Merci beaucoup, Moka, Marcel et moi. Merci beaucoup, M. We'll be right back.